Déjà, la première des choses pour faire du vin naturel, c'est avoir confiance au travail qu'on a fait dans la vigne, puisqu'en fait, le vinificateur ne peut faire un bon travail que s'il a des raisins équilibrés, en bon état sanitaire, et surtout riches en tous les oligo-éléments que la vigne a pu puiser dans le sol et dans le sous-sol. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Donc moi, j'avais de la chance parce que j'avais des vignes qui étaient en très bon état et qui étaient avec une grosse diversité biologique. Et donc ensuite, on prend un risque, on commence une petite cuvée, 10 hectos, 20 hectos, on voit que ça marche. Bon, ça ne marche pas tout le temps. Et puis petit à petit, on développe. Et puis là, maintenant, on fait quasiment tout sans SO2. Du coup, comment tu es arrivé à apprendre et à te positionner dans le vin naturel? C'est-à-dire que moi, je suis toujours né dans la vigne. Je trouvais que c'était dans la cave des gamins. Il y a encore une cave des vieux grenaches, bon, peut-être on en parlera tout à l'heure, où il y a encore des barriques que j'ai vinifiées moi ou que j'ai mis en bouteille moi avec mon écriture de premier élève au CP. Mais après, on était dans un domaine qui était en agriculture biologique depuis 87. Donc on travaillait toujours en 100 mètres de produits chimiques, 100 mètres d'engrais chimiques, ce genre de choses. Et la démarche, faire petit à petit, on vinifie sans intrants dans la cave depuis 2000. Donc ça fait 11 ans maintenant, et sans SO2, les premières cuvées sont sorties en 2003. Voilà. Et l'avenir du vin naturel pour toi? Je crois que le premier argument pour convaincre les gens, c'est de les faire boire et déguster. Vous avez passé une soirée comme nous hier soir, où on a bu peut-être plus que deux raisons, et ce matin on s'est levé, on avait pas mal à la tête. Et quand les gens commencent à déguster, à prendre le plaisir à boire, pas pour être sous, mais pour être simplement euphorique et prendre le plaisir de partager, et qu'il n'y a pas la limite d'avoir mal à la tête ou se sentir malade, mais au final, c'est le meilleur argument, je pense, en termes de convaincre les personnes. Voilà. Et quand on parle, moi, ce que j'entends souvent, c'est qu'on nous dit dans le vin naturel, il n'y a pas de vin de garde. Moi, j'ai des vins à la maison qui ont plus de 10 ans, qui sont naturels et qui n'ont pas eu de problème. Sur les vieux grenaches, on a des barriques qui ont été démarrées il y a 150 ans par mon arrière-grand-père et qui n'ont jamais eu de SO2, sauf... la seule chose qui est faite, c'est mécher la barrique l'année de vinification. Hein. Donc, vin de garde, il peut y avoir des vins de garde. Puis bon, dans certaines ventes aux enchères, on voit aujourd'hui des vins de 1928 qui sont vendus, où tout le monde se bat pour les avoir. Et au final, je ne pense pas qu'à l'époque, on mettait beaucoup de produits chimiques et beaucoup d'intrants à la cave, et ces vins sont encore tout à fait consommables. Donc c'est vin de garde, mais il peut y avoir un vin de garde. Le tout, c'est... Je suis persuadé que le travail se fait dans le sol, donc à la terre, hein, sur le terroir. Et je pense que si on a des raisins qui sont bien équilibrés avec des belles acidités, c'est déjà un élément important par rapport à la conservation. Puis bon, il y a aussi tout le côté, l'équilibre, le tannin, la vinification. Si vous avez l'occasion de passer, je peux vous faire goûter des vieux millésimes dans lesquels il n'y a aucun souci. Vous allez goûter parce que c'est passé à toi.